Salut à tous, c'est Fred Julland, boxeur professionnel. C'est moi qui accueille notre troisième groupe pour la troisième édition de ce stage à New York. Je leur souhaite à tous la bienvenue et bon vlog. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour ce vlog où vous allez me suivre lors de mon stage de boxe anglaise à New York, stage organisé par Boxing Culture. Aujourd'hui, on est dans une salle pour faire des sparring. Donc, les meilleurs membres de notre groupe, on leur a amené des boxeurs professionnels pour qu'ils puissent mettre les gants. Donc, je vais vous montrer quelques images. Bien sûr, vous allez suivre nos entraînements, ce qu'on fait un peu à New York, aussi des visites. Boxing Culture, c'est de la boxe et de la culture. L'une des particularités de ce séjour à New York, de ce stage à New York, c'est que je veux réaliser un reportage sur Fred Julland. Fred Julland, c'est un boxeur qui a décidé de quitter la France pour faire sa carrière professionnelle ici à New York et ça fait déjà une dizaine d'années qu'il est ici. Pendant ce vlog, vous aurez l'occasion d'entendre des témoignages de chacun des participants. Ils vont à chacun leur tour intervenir et vous raconter un peu comment se passe leur stage, leur profil, d'où ils viennent, pourquoi ils ont décidé de faire un stage de boxe ici à New York. Et je vais profiter d'être à New York pour interviewer des boxeurs qui sont venus ici pour faire carrière. Et notamment Yves qui vient de Côte d'Ivoire et on fera une interview ensemble. Aujourd'hui, il va se parer. Bon courage Yves. Ouais, merci. On ensemble. Tout à l'heure.
Bonjour à tous, moi c'est Yacine. Donc j'ai 34 ans, je vais bientôt avoir 35 ans. Ça fait 4 ans que je pratique de la boxe anglaise. Je pratique de la boxe anglaise uniquement en loisir, pas du tout de combat amateur, pas l'intention de devenir pro non plus, ni quoi que ce soit. C'est vraiment par pure passion que je pratique ce sport. J'ai toujours fait du sport avant et j'adore ça, tout ce qui est activité sportive, mais particulièrement la boxe anglaise. C'est mon deuxième stage que je fais ici. J'en ai fait un en novembre, donc 2022. Et là, on est en juin 2023. Le premier stage, je l'ai fait. C'est ma femme qui l'a découvert grâce justement à Box Attitude. Pour mon cadeau d'anniversaire, elle m'a envoyé là-bas vu qu'elle sait que je suis passionné de boxe anglaise. Et j'adore la ville. Fred, il est super. Et c'est vraiment pour retrouver un peu cette ambiance, cette atmosphère-là que j'ai voulu y retourner. Je voulais faire un maximum de sparring parce que malheureusement, je trouve qu'en France, on manque un petit peu de sparring. J'ai dans l'idée peut-être un jour de pourquoi pas devenir coach de boxe. Je magasine un maximum de choses pour voir les différents exercices que l'on fait, les différentes méthodes d'apprentissage, les différents conseils qu'on peut avoir, etc. Moi, j'adore ça. Donc, pourquoi pas plus tard passer des diplômes de coach. C'est dans un coin de ma tête. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je me présente Ismaël Bodialo, j'ai 22 ans, je suis boxeur olympique français, donc j'ai 47 combats. Dans les 47 combats, j'ai fait plusieurs tournois, comme les ceintures Viking que j'ai remportées, les ceintures Montana aussi, la ceinture Mensa, la ceinture Caso et la ceinture Sheplins que j'ai fait cette année, que j'ai remportée aussi. Et j'ai fait aussi des titres en Normandie, j'ai eu 3 fois champion de Normandie, j'ai fait plusieurs fois les France. J'ai fait 4 fois les France. Bon là, pas champion, mais au moins je les ai fait. Puis aujourd'hui, mon objectif, ce serait essayer de voir de boxer à l'international ou de boxer même à New York. Parce que je me suis renseigné un peu. Bon, c'est compliqué, mais j'aimerais bien aussi boxer dans la ville. Pourquoi pas faire les Golden Gloves ou la WBC amateur, ça m'intéresserait beaucoup. Enfin, moi, je serais preneur. Ouais.
Moi, première impression, ça se passe super bien. Tout qui se passe bien, c'est que c'est comme dans les films. On dirait pas comme ça, mais tout est grand, il n'y a rien à voir. C'est tout, même tu vas au magasin, une bouteille de coca, c'est simple. Là-bas, tu vois 3 litres, c'est fou. Alors qu'en France, c'est des petites bouteilles, c'est tranquille. Tout est grand, même les appartements, même derrière moi, le grand building là, c'est incroyable, je vois ça partout. Sinon, les entraînements, tout ça, c'est bien pris en charge. Tout est bien structuré. C'est vraiment sérieux, franchement, c'est incroyable. Moi, franchement, jusqu'à là, j'ai rien à dire. Ce qui m'a donné envie de faire les Golden Gloves, c'est Counter Punch. Comment s'expliquer, détailler, c'est pas comme en France. Moi, personnellement, ça m'a fait rêver. Quand je les ai vus, les boxeurs commencer, les qualifications, c'est incroyable, c'est incroyable. Les Golden Gloves, c'est vu comme... En gros, les Golden Gloves à New York, tous les champions du monde sont passés par là, que ce soit Mohamed Ali, Tyson, Sugar Ray Leonard. On va dire ici, c'est le passage obligatoire avant d'être champion du monde. Donc c'est ça aussi qui me fait rêver, c'est beau. C'est beau, c'est bien représenté en tout cas. Aujourd'hui, mes attentes pour le stage, c'est d'avoir des gros sparring. Parce qu'en France, j'ai eu l'occasion d'avoir plein de sparring, que ce soit à l'INSEP, tout ça. Bon, c'est des sparring durs, mais je voulais voir vraiment le hardcore. Donc là, je pense que c'est la ville idéale pour avoir des gros sparring. Moi, c'est Sébastien Martinez. J'habite à New York depuis novembre grâce à Boxing Culture. Je suis venu ici dans le cadre de la boxe pour vraiment réussir dans la boxe et gagner ma vie de la boxe. C'est ce à quoi j'aspire en tout cas. Pour ce stage de 2 semaines, vous me verrez souvent. Je serai là pour épauler Fred durant les entraînements, mais aussi durant les visites culturelles, tout ça. Vu que maintenant je vis ici, je connais un peu, donc c'est moi qui vais vous faire pas mal de visites. T'as vu ce que j'ai fait? Ouais, tiens, bloqué. Ben, si je fais par exemple 2, 3, 2 et que je vais aller là, t'as vu? Tu peux rien faire parce que ma main est là. Là, t'as vu, j'ai fait ma 2, là je vais faire mon angle 1. Ah ouais, tu peux gratter sa fesse, je crois, regarde. Ah ouais, je comprends pas, mais tu sais, c'est sympa. Ça me prend mon angle. Quel est le numéro de ton coach? Le numéro de ton coach. Je n'en ai pas! Je n'en ai pas! On verra de façon sur ça, il peut avoir des tickets. De toute façon, du moment où je peux avoir des adversaires durs, des souvenirs. Ouais, bon. Salut à tous, moi je m'appelle Thomas Dizier, j'ai 24 ans, je viens du sud-ouest, dans le bassin d'Arcachon. Ma petite expérience en boxe, j'ai commencé la boxe il y a 6 mois. Donc j'ai pu faire 2-3 sparring, mais avec mon taf, j'ai surtout fait de l'autodidacte. Donc on se démerde, je suis venu ici justement pour prendre un step, pour préparer la saison prochaine que je compte faire en amateur. Je compte préparer le challenge premier round. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit challenge en fait. C'est un tournoi où il n'y a que des gens qui ont 0 combat, avec 8e, quart, demi-finale, et ça permet de faire une bonne expérience. Donc c'est ce qui me motive à boxer, à me lever le matin, à continuer à courir, à taper dans le sac, à faire du sparring. Et j'en suis très heureux. Et du coup maintenant, je suis au bain russe. Là on a fini grosse session de bain russe, donc super découverte. C'est hardcore franchement, si vous n'êtes pas habitué à la chaleur et tout. Mais c'est super, franchement c'est super, c'est une expérience de dingue encore une fois. Recharger les batteries, franchement c'est super, super, et j'espère qu'il y aura une autre séance. Et là ce soir, moi j'ai la chance d'avoir ma petite femme ici pendant une semaine, donc on va faire petit resto, tout ça, donc c'est cool parce que je peux allier boxe et visite touristique avec ma femme, tout ça, donc c'est top, c'est cool. On est là, ok. Ça va? Oui. Comment est-ce? Bien? La France? Tranquille? On fait du New Yorkais ou quoi? Thank you.
Je n'ai pas une seconde depuis qu'on est arrivé pour prendre le temps de vous parler un petit peu. Aujourd'hui, on est allé faire une mise de gants dans la salle de Sosa Cops and Kids. Donc, on est dans le quartier tahitien, je ne sais même plus, je vous mettrai en dessous, j'ai oublié. C'est tous les jours, il y a des choses à faire, c'est la course. Donc, je prends deux secondes. Comme il n'y a pas trop de musique en fond là, je peux faire voilà, une petite vidéo. Donc je prendrai quelques images des gars pendant qu'ils se partent. Ils vont s'entraîner un petit peu technique aussi. Et de toute façon, New York, c'est ça. On va presque tous les jours découvrir une nouvelle salle parce que c'est la capitale de la boxe professionnelle. Et vous avez des salles de boxe un petit peu partout. Et de partout, vous avez des boxeurs avec qui croiser les gants, croiser le fer. Allez, je vous laisse regarder l'entraînement. Même avec des... Oh, salut, ça va, tranquille. D'ailleurs, j'avais acheté, tu te rappelles, le... On n'a pas des salles comme ça chez nous. Ils sont tous à fond dans la boxe ici. C'est une autre mentalité. Franchement, j'aime bien. Ça donne l'envie, ça donne plein d'envie. Tu vas faire quoi là aujourd'hui? Là, je vais sparer avec les gars d'ici, là. Dard. Dard. Vas-y, frappe. Alors le problème qu'on peut rencontrer aux États-Unis quand on va dans des salles de boxe, comme ici, c'est que parfois ils ne nous laissent pas filmer les séances de sparring. Alors les séances de sparring, je ne les mettrai jamais en ligne dans mes vlogs parce que c'est quelque chose de privé, c'est fait pour travailler. Et d'ailleurs ici, vous verrez hein, dans le vlog, on étudie les sparring qu'on fait. Et en fait c'est ça qui est un peu dommage, c'est quand on met les gants avec des gars qui ont un bon niveau, quand les gars qui viennent mettre les gants avec des professionnels par exemple, ben, comme ils ont envie de garder absolument les images pour eux, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'images qui fuitent, et ben, on ne peut même pas les filmer pour nous. Là en ce moment, il y a Fred qui est en train de tourner avec un petit jeune, il y a Isma qui va tourner aussi, et ben, je ne pourrais pas filmer toutes les séances. Bon, ce n'est pas grave, au moins vous pouvez quand même mettre les gants avec du très haut niveau, mais parfois ben, on ne pourra pas revoir les images. Ok, donc j'ai profité que la team vienne ici aujourd'hui pour venir moi aussi. Ici on est dans ma salle, je m'entraîne ici tous les jours. Je suis coaché par Sosa, donc le coach de Chris Colbert, et aussi André Rosier qui était là aujourd'hui, l'ancien coach de Danny Jacobs. Et bon, moi aujourd'hui j'ai pas pu tourner malheureusement parce que je suis blessé. Donc je suis venu un peu pour superviser les sparring, donner des conseils, donner un peu ma touche quoi. Et voilà, les sparring se sont très bien passés, il y a eu des bonnes guerres et le groupe a un très très bon niveau. Pour la petite anecdote, par exemple, ici à Cops & Kids, dans cette salle, j'ai pu rencontrer qui ? J'ai pu rencontrer Chris Colbert, à qui j'ai mis les gants, Bruce Carrington, avec qui j'ai mis les gants, Gervonta Davis, avec qui j'ai mis les gants, Richardson Eugene, avec qui j'ai mis les gants, Jay Tucker, avec qui j'ai mis les gants. Bon, après, d'autres personnes avec qui j'ai pas mis les gants, comme Daniel Jacobs, Sergei Derevyanchenko, Richard Comey, Richard Matisse, celui qui va boucler dans une semaine là. Et bon, je dois sûrement en oublier, mais ici, c'est vraiment la salle à New York où il y a vraiment le beau monde. Salut,
J'ai demandé au Darmon, il m'a dit il a 6 places. Et c'est genre des places qui sont pas ensemble, 3 et 3. Je regarde en... Je me présente, du coup Gaël. Moi je viens de La Réunion. Donc moi mon parcours est un petit peu dans la boxe. J'ai commencé assez jeune, hein, assez jeune. J'ai commencé, j'avais 11 ans. J'avais commencé par la boxe thaï moi au début. C'était la boxe thaï, j'ai fait 3 ans, j'ai fait quelques peu de compétition. Après j'ai arrêté, je suis passé par le MMA aussi. Et après j'ai repris le Muay Thai pour enfin finir sur la boxe anglaise. Donc là la boxe anglaise, en tout du coup ça fait 2 ans là que je fais de la boxe anglaise à La Réunion. J'ai fait 6 combats, donc j'ai perdu les 2 premiers, c'était dur. Ça m'a fait mal un peu, mais après j'ai une petite pente remontante pour finir du coup champion de La Réunion en moins de 67 kilos. Voilà un petit peu le topo. Du coup là ça fait une semaine qu'on est à New York. Le petit ressenti, franchement très bien. Bon, je suis vraiment agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ça. On a fait quelques sparring là. Là on vient de sortir justement de notre premier sparring. Du coup on fait ça le samedi. C'était vraiment pas mal, on voit vraiment une autre manière de boxer. On voit un autre style, c'est vraiment différent de la France en fait. Même au niveau des rounds, on voit l'entraînement c'est différent. C'est même pas 3 minutes, c'est 3 minutes 30, 30 secondes de récup. Voilà, c'est un autre style. Ensuite sur la semaine, c'est assez éprouvant quand même parce qu'on fait 2 entraînements par jour, un le matin, un le soir. Mais ça va, ça se tient. On voit un peu la prépa physique, on visite aussi un petit peu en même temps. On voit pas mal de styles de boxeurs, donc franchement c'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Là mon objectif là c'est de, en septembre je crois il y a les championnats de La Réunion, donc je vais refaire les championnats de La Réunion, je vais essayer de descendre dans les 64, du coup là il faudra perdre un peu de poids, ouais là je suis 69, 70, donc à 5 kg, même si je peux descendre encore un petit peu plus, parce que là je viens de faire contre un 62 kg, il était hyper rapide, je vais être pareil arrivé là-bas. Mais c'est ça le petit défi, et après pourquoi pas enchaîner sur un petit championnat de France, un truc comme ça. Voilà, on est dimanche, ça fait une semaine qu'on est à New York. C'était une semaine que j'ai même pas vu passer. J'ai eu très peu de moments où je me suis posé, je me suis dit, allez, je vais un petit peu raconter ce qui s'est passé aujourd'hui ou là. Et vraiment, c'était exceptionnel. Je profite de cette journée de repos, donc du dimanche, pour visiter donc, le musée d'histoire naturelle de New York avec le fameux film. Et oui, New York, c'est surtout des séries, des films, des livres donc, qu'on a en tête. Et j'avais envie voilà, de voir ce musée par rapport au film. Donc j'ai profité de cette petite journée, c'était bien sympathique. Et puis on va attaquer tranquillement la deuxième semaine d'entraînement. Deuxième et dernière semaine, je vous rappelle que c'est des stages de 15 jours. Et il y a une super ambiance, le groupe il est excellent. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire demain. Je vous dis à demain. Et voilà, 5h25 du matin à New York. On va aller courir. Let's go, baby! Je suis le premier arrivé. Il y a Fred qui est au bout de la rue. Oh, il y a du vent là, je sais pas si on va pas m'entendre. Au moins à l'heure. Toujours à l'heure. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Tu vas y voir. Bien, tranquille. T'as dit jamais bonjour au dernier, t'as vu ça? Ça dit pas bonjour au dernier, ils sont barrés direct. Que peut-être qu'il est en Afrique.
le caméraman. Ça bouge. Oh, c'est le vide en dessous, regarde voir ça. Mais non. Pas le vide, c'est des voitures en dessous. Shadow, shadow, shadow. Allez. On va chercher Yacine. Allez Yacine, il est là-bas. Allez Yas. Allez, 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 allez. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, allez, on y va ensemble, on finit ensemble. Allez. Comme c'est joli, c'est incroyable. Ouais, c'est... Vous avez vu ça? Ouais. C'est ouf.
speed. Oh, flag! Merde, ils ont eu! Incroyable! C'est pas ce que vous croyez! C'est pas ce que vous croyez! Allez, allez! Ah, ça me fait un chicao, moi, j'arrive plus à. Je suis mort! Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter le lieu qui est derrière moi, le lieu qui est tout autour de moi, Times Square. Voilà, c'est un des lieux mythiques de New York. Alors bien évidemment, vous aurez l'occasion de le visiter si vous venez en stage avec Boxing Culture. Et je me suis dit, allez, je me pose là pour vous faire une petite vidéo et vous raconter un peu. Bah, on est lundi là, donc on attaque la deuxième semaine et la dernière semaine de stage. Ce matin, on a fait un footing à 5h du matin. Ça pique, mais c'était magnifique. On est allé sur le pont de Brooklyn. C'était vraiment incroyable. Enfin, je l'avais fait l'année dernière, mais c'était encore incroyable. Et je me suis rendu compte, voilà, je le savais déjà, mais je traînais une petite douleur à la côte que je me suis fait, je pense, au tout début de la première semaine. Ça me gênait au fil des jours. Et là, c'est vrai, je me suis dit, allez, je laisse passer le jour de repos dimanche. Et puis, on verra lundi. Et c'est vrai que là, la douleur est un petit peu trop intense. Tu vois, quand je te parle, là, je le ressens un petit peu au niveau de la côte. Donc, on va y aller très, très, très léger pour cette fin de stage pour moi.
Et puis les gars, ils vont continuer à... Voilà, ce matin, après l'entraînement, on s'est retrouvés à la salle What the fuck, comme on aimait bien l'appeler, WTF. Ils ont fait un entraînement spécifique, technique, individualisé. Et on a fini avec un petit peu de stretching, d'étirement, de renforcement en profondeur avec Roxana qui nous accompagne. Roxana, j'oublie tout le temps son nom, qui nous accompagne sur ce stage. Je vous mettrai son nom et son Instagram. Elle a été vraiment exceptionnelle. Et donc voilà, donc moi juste pour vous dire que c'est vrai que je le prends un petit peu mal de ne pas pouvoir continuer à faire les entraînements à fond avec les gars. Ça me fait un peu mal au cœur. J'avoue que là, je suis allé me faire une bonne pizza de chez Joe Pizza, là, les pizzas de Joe, qu'on peut voir dans le film Spider-Man. Donc j'ai craqué un peu, je me suis fait plaisir. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, c'est vrai. Mais je vais quand même profiter du stage, je vais aller visiter les autres salles avec les gars, les mises de gants, les sparring. Donc je vais pouvoir voir tout ça, je vais quand même apprendre en les observant et puis je vais vous faire partager tout ça. Donc pour vous, la vidéo est loin d'être gâchée et mon séjour également est loin d'être gâché. On va quand même bien profiter de cette deuxième et dernière semaine. Alors moi c'est Baptiste Castagnaro, j'ai 32 ans, je suis boxeur pro depuis 2013 et je suis venu faire ce stage ici pour progresser, juste parce que j'aime la boxe en fait. Et voilà. Ici c'est top depuis qu'on est arrivé, franchement je sens que j'ai bien évolué. Les gars ici ils sont ultra rapides comparé à nous, ça n'a rien à voir. Ici, ils ont une mentalité de boxe à fond. C'est trop bien. Franchement, c'est top. J'aimerais bien avoir la même ambiance chez nous. Alors, j'ai un combat en préparation. Je boxe le 15 juillet à côté de Milan en Italie. Là. Franchement, ça m'aide pas mal d'être ici. Ça me fait du bien de voir d'autres choses, de boxer différemment de chez moi. Et le plus, c'est d'avoir des sparring ici exceptionnels. Quoi. Jamais on a des sparring de ce niveau-là chez nous. Les différentes salles ici, elles sont juste exceptionnelles. Il n'y a rien à dire, on n'a pas ça. Déjà, rien que quand on rentre, ça pue la boxe, ça transpire la boxe à plein nez. C'est dans des quartiers ici, c'est top. Tout le monde, ils sont à fond. Dès 7h le matin, les salles, elles sont remplies. Je sais pas, franchement, on est loin d'avoir cette mentalité en France. Moi j'ai bien kiffé mettre les gants avec Khalil Ko. D'entrée de jeu direct, je me tape un mec qui cogne vachement. J'avais jamais senti une puissance sèche comme ça. C'était vraiment pas mal. Et en plus de ça, il boxe ce week-end au Madison et on va aller le voir. Donc c'est juste exceptionnel quoi. Bon les gars, je profite, on est mardi. Mardi, je me perds un peu dans les jours tellement il se passe des choses. Je me suis posé juste à côté du jardin botanique de Brooklyn parce que notre appartement est pas très loin d'ici. Et je profite surtout que c'est sûrement le dernier jour où j'ai du soleil. Après, il est fort possible qu'on ait de la pluie jusqu'à la fin du séjour. Et ça sera vite là, la fin du séjour. Hein. Donc voilà, dans quelques jours, on s'en va, on quitte New York. Ah, je suis déjà triste. Mais voilà, il reste encore plusieurs jours. Et en une journée, t'inquiète pas qu'on en fait des choses. Encore un hélicoptère qui passe au-dessus ou un avion. Ça, c'est un problème ici. Il y a tout le temps du bruit. C'est incroyable, il y a tout le temps du bruit. Mais j'arrive quand même à trouver des petits spots sympas où je peux me poser au calme. Et puis voilà, comme ça, je peux faire des petits débriefs avec vous. J'en ai pas fait tant que ça la première semaine. Je vais essayer de profiter de la seconde pour un peu plus vous parler. Alors, que voulais-je vous dire ? Ce matin, avec les gars, on est retourné à la salle Cops and Kids pour faire des mises de gants, pour faire des sparring. Il y avait d'autres gars et notamment un professionnel qui a pu tourner avec nous. Donc, c'est des jeunes pros. On essaie de choper un petit peu des jeunes professionnels qui ont quelques combats et ils sont actifs dans la ville de New York, qui tournent un peu dans différentes salles. Et grâce à Fred, en fait, il envoie des messages, il use un peu de ses contacts. Et comme ça, il demande, bon alors, ton gars, il vient tourner, il vient à tel moment. Voilà, moi, j'ai un gars pour lui. On a aussi des débutants, hein, bien sûr, pour les jeunes débutants du groupe. Donc, je vous mettrai bien sûr quelques images, mais pas trop. Hein. Le but, c'est pas non plus de montrer des sparring en entier. On n'est pas là pour ça. Et puis, les sparring, c'est quelque chose qui reste privé. On travaille dessus. Ici, je vous
normalement, je vous aurais montré des images où on est en train d'étudier les séances de sparring avec l'équipe. Et ça, c'est super intéressant parce que ça te permet vraiment de progresser, d'étudier tes séances de sparring. Donc sinon, voilà, donc il y a eu quelques affrontements bien corsés, des oppositions de style qui étaient vraiment, vraiment cool. Aujourd'hui, voilà, j'ai bien apprécié. Hier, voilà, quand je t'ai fait la vidéo, j'avais encore un petit peu cette amertume de devoir lever le pied pour la deuxième semaine. Là, aujourd'hui, allez, voilà, je prends ça avec un petit peu plus de philosophie. Je me dis, hey, gars, c'est pas bien grave, hein. T'es pas là non plus pour... Tu prépares pas un combat, tu prépares pas ton avenir dans la boxe, contrairement à beaucoup dans le groupe. Et ben kiffe, regarde-les apprendre, progresser, faire des mises de gants. Et puis voilà, moi de mon côté, j'essaie de choper une petite poire quand j'en trouve une pour en faire un petit peu, travailler le côté où je peux travailler, parce que tout ce côté-là, c'est tout le côté gauche, du coup c'est compliqué. Donc j'essaye un petit peu de travailler mes jabs du droit, travailler un peu. Et puis voilà, je m'amuse en fait, je me fais plaisir. Et puis encore une fois, c'est un merveilleux stage, mais j'aurai l'occasion de vous en parler encore. Peut-être pas en extérieur, peut-être que les prochaines vidéos seront couvertes parce qu'il risque de pleuvoir. Et puis ce soir, on fait une petite sortie sympa. Je vous montrerai ça en vidéo. Attends, c'est pour un stage de tir à l'arc en fait. Du bang. Je fais une petite photo de groupe après au bord de l'autre, ensemble. Et toi, Fête foraine. Oui. Nous on appelle ça Vogue, c'est la Vogue. C'est quand même blague, on est excellent. Je souhaitais mettre les gants au moins 2-3 rounds. Celui-ci ne va arrêter. Et t'as pris les gants de Baptiste, non? J'avais les gants de Baptiste. Ouais, parce que j'ai acheté des gants bleus, toi, mais en fait ouais, aussi, j'ai des gants bleus. Il est trop gentil. Et cette agressivité que tu vas mettre envers moi, sur le ring, pareil. Elle va sortir. Ouais, je comprends. Je te fais une petite formation. Durée d'un round. Si tu peux aller à fond pendant 3 minutes, tu peux casser la gueule à n'importe qui sous 3 minutes. Mais on va faire 2 fois 800. Bon. Le but, c'est de le faire en dessous de 3 minutes. Thank you.
t'es prends toi. Quand t'es prends. Quand t'es prends toi. Allez, gérez l'effort les gars. Allez boss, c'est super. Allez. Allez Baptiste, gère ton effort, il reste un tour, gère ton effort. Allez, t'as de l'avance là. Allez Karim, gère ton effort aussi. C'est bien Thomas, c'est bien. Allez Jay, allez. Allez Fred. Allez Gaël, c'est bien. Gérez l'effort les gars, il reste encore 400 mètres. Et moi je peux tricher, parce que j'ai une côte fêlée. Donc, je n'ai pas à faire des sprints de malade comme ça. Allez, maintiens l'allure jusqu'au bout, bravo, super. Allez Baptiste, allez, allez, super, super. T'as encore un peu d'avance, attention, il y a Thomas qui revient, il faut que tu maintiennes. Ok? Allez Thomas, allez, allez, courage. Allez Jay, super. Allez, allez, Jay, allez, 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 allez. Allez Karim, allez, allez, tu tiens jusqu'au bout. Allez les gars, allez Fred, tu le passes. Allez Gaël, accroche-toi, accroche-toi, rattrape Karim, accroche-toi. Allez, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Super, super. Allez Baptiste, il passera pas, il passera pas. Allez, il passera pas. Allez Thomas, c'est bien, bravo, bravo. Gère pour le deuxième. Allez Jay, tu maintiens jusqu'au bout, tu maintiens jusqu'au bout. Allez, courage. Super. Allez Fred. Allez, allez, allez. Allonge un peu ta foulée, relâche les bras. Allez Karim, jusqu'au bout. Allez, allez. Allonge la foulée, c'est bien. Allez Gaël, jusqu'au bout, c'est bien Gaël, c'est bien. Super, super, bravo. Allez Gaël, jusqu'au bout. Allez, 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 allez. Bravo les gars. Là tu fais t'allonges un peu la foulée. Allez, je sais que t'en as un peu plus dans le ventre. Allez. Allez les gars. Let's go. Ça va pas trop dur ? Ça va pas trop dur. Moi je suis à l'aise. Super, super, super. Allez, allez. Allez, relâchez, relâchez. Il y a encore un tour après, relâchez, c'est bien. Allez les gars, super. Cramez-vous pas pour le premier tour. Allez Karim, accroche-toi. À la fin, je vais. Allez, allez. À la fin. Gaël, garde ton allure. Te perds pas, bêtement les suivre. Garde ton allure. Voilà, c'est bien. Allez, c'est le dernier Bastien, allez. Allez, allez, jusqu'au bout. Super. Super, super allure. Bravo. Voilà, génial. Allez, allez Thomas, allez, allez, jusqu'au bout, c'est le dernier. Super, bravo. Allez, allez, j'ai, allez, 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 allez. Bravo. Allez, c'est la bagarre, Baptiste Fred. Allez, c'est la bagarre, jusqu'au bout. Allez, voilà, voilà, vas-y Fred, vas-y, jusqu'au bout, tu t'accroches à lui. Bravo. Allez, Karim, t'as fini. Allez, allez, donne tout jusqu'à la fin. Donne tout, dans la tête. Allez, jusqu'au bout. Allez Gaël, allez, allez, allez jusqu'au bout, super. Allonge, relâche tes épaules, allonge ta foulée, voilà. Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est bien. Bon, ils sont partis pour les 200 mètres là. Allez, ils arrivent. Allez Fred, super. Allez, gère les 100 derniers mètres. Allez, allez 100 derniers mètres les gars. Allez, 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 allez. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez Baptiste, allez. Allez Baptiste, accroche-toi, c'est 100 mètres encore là. Allez les gars, allez, 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 jusqu'à la ligne, jusqu'à la ligne. Allez, jusqu'à la ligne. Allez, 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 allez. Super. Allez Fred, jusqu'au bout. Allez Karim, allez Gaël, allez, 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 allez. Allez les gars, allez Jay, allez, 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 allez. Thomas, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Oh, Mathis, qu'est-ce que tu me fais là? Alors, jusqu'au bout. Attends, t'es mort, t'es mort. Bon les gars, aujourd'hui on est jeudi, ouais c'est ça, on est jeudi et on est au GMX. C'est, en fait c'est ma salle préférée à New York. Il y a plein de salles extraordinaires, mais je sais pas, celle-là,
je l'aime trop. Je l'aime trop, il y a une ambiance particulière. Et puis peut-être aussi qu'il y a un petit affect derrière moi. On reste discret, les gars. Il y a le papa de Zab Judah. Et Zab Judah, je l'ai découvert dans son combat contre Floyd Mayweather Jr. Je découvre en direct ce boxeur. Il a perdu ce combat. Mais je sais pas, depuis ce jour, j'ai eu un coup de cœur pour ce combattant. C'est ce que j'appelle mes combattants chouchous, quand j'ai un coup de cœur comme ça. Et là, j'ai eu l'occasion de pouvoir lui dire que j'aimais beaucoup son fils et de le féliciter pour le travail qu'il avait fait avec Devin Haney. En Australie, il l'avait accompagné. Et donc voilà, et donc là, on est dans la salle de papa Judah. Et je suis trop content, voilà. Donc là, je suis un peu en mode gamin qui arrive à Disneyland. Mais comme je le suis tout le temps à New York, je vous dis un petit mot. Et là, ça va être sparring. Let's go! Voilà, continue ce spécial là. Contrôle au-dessus de toi. Ouais, au-dessus, on met ton. On met ton. On a bien essayé, mais il fallait remonter en fait. Bonjour à tous, je m'appelle Jay, j'ai 27 ans, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique, principalement dans les sports de combat. C'est aussi pour ça que ça m'a donné l'envie de recommencer un petit peu la boxe. J'ai boxé étant plus jeune, j'ai eu une longue période d'arrêt, et donc je suis venu ici en stage, je veux dire en niveau débutant, pour reprendre exactement sur de bonnes bases. Et je pense que tout le monde a l'occasion de pouvoir partir. Voilà, moi je suis débutant, je me suis super bien senti ici, que ce soit au tout début du stage, où j'ai vu mon évolution au cours de la semaine et au cours des jours qui ont suivi les premiers jours. Et j'ai vraiment trouvé intéressant d'avoir des vidéos, on avait filmé un peu nos sparring, on avait filmé un peu nos techniques d'entraînement, et voir la première semaine et la deuxième, on voit déjà une évolution, et de ça je suis vraiment de un fier de moi, et de deux je remercie les gens qui nous ont entourés pour cette évolution. Et je pense que tout le monde ici a eu quelque chose de bon à prendre, que ce soit les intermédiaires, les amateurs ou même les professionnels. Bah aujourd'hui, comment ça s'est passé? On s'est levé le matin, on a été au work and fight. Là, on a fait un peu de skill, un peu technique. Puis on est parti sur une petite session de sparring, un petit peu sous forme de jeu. On était tous au milieu du ring et on avait chacun une minute avec celui qui se trouve au milieu. C'était très intensif. C'était quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Et physiquement, en tout cas, après cette bonne semaine de stage, on arrive ici presque à la fin, physiquement épuisé, malgré tout, parce qu'on se lève tôt le matin. On essaie de manger le mieux possible et on boxe beaucoup, on court, on fait de l'entraînement, on apprend plein de choses. Il y a aussi beaucoup d'informations, donc tout ça, que ce soit la fatigue mentale, la fatigue physique, et tout ça l'un dans l'autre, bah, ça nous a permis vraiment de vivre deux semaines en mode fight camp, boxing camp. Et je trouve que ça apporte une plus-value, que ce soit nous en tant que coach, ou moi en tant que préparateur physique ou de kinésithérapeute. Et pour les autres, bah, je pense qu'ils ont l'occasion de découvrir quelque chose d'autre qu'ils ont l'habitude de connaître en France. Pour moi, les sparring, j'avais vraiment l'habitude de ce que je voyais moi en Belgique. Et ici, c'est totalement vraiment une autre mentalité autour de ça. Et c'est quelque chose qui m'a fort marqué, c'est vraiment l'intensité des sparring. Merci à toi, JC, pour l'interview. Et merci à toute l'équipe de Boxing Culture de nous offrir cette opportunité de venir boxer ici à New York. Le plus populaire, c'est le 19. Le plus populaire. Ouais, mais c'est comme le feu. T'inquiète, moi c'est bon.
Les bras, les mouvements en tête. Les bras, les mouvements en tête. Faut que ça soit rapide quand même. Va, 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 va. Ce matin, on a fait l'entraînement à la plage, comme vous avez pu le voir. Et juste après, on est allé dans un diner. Et forcément, les trucs classiques, hein, regardez un peu ce que je mange. Alors, j'ai déjà bien entamé, hein, mais vous voyez, c'est des pancakes protéinés avec un petit peu des fruits, beaucoup de sucre. Là, regardez, il y a le sirop d'érable comme ça. Regardez Karim un peu, il a rajouté, il a noyé dans le sirop d'érable, lui. Non, mais incroyable. Je l'ai affiché, là, il n'est pas content. Du coup, j'en profite pour saluer son frangin. Je lui fais un gros big up voilà, dans ce vlog. Je tiens à le saluer. J'ai eu l'occasion de lui faire un petit coucou en visio. Et quand il verra le vlog, eh ben, ton frérot Karim, c'est un très bon gars. Il nous a beaucoup fait rigoler sur ce stage. Même si ça m'a fait un peu mal à la côte, comme je pense que j'ai la côte fêlée. On verra ça quand je rentre. Et on se régale. Voilà, là, on est tous ensemble. Et bon, là, les calories, on recharge. Et voilà les gars, on est officiellement au dernier jour. Bon, il restera demain, on prendra l'avion, mais c'est officiellement le dernier jour. Et donc, c'est la dernière mise de gants. Et pour faire cette séance de sparring, on est venu dans le Bronx. Voilà, c'est une salle spécialement dans le Bronx. Et j'étais jamais venu dans le Bronx. Non mais, les gars, on est dans le Bronx. Mais c'est pas un truc de fou. C'est... À chaque fois, je le répéterai, mais... C'est vivre un rêve éveillé de faire ces stages de boxe anglaise, ces voyages boxe. À chaque fois, c'est une expérience. Alors, c'est pas encore la conclusion parce qu'il nous reste encore une petite sortie boxe aussi ce soir. On va aller voir Edgar Berlanga peut-être connaître sa première défaite. Ce serait fou parce que ses dernières sorties n'étaient pas ouf. Mais bon, je lui souhaite pas quand même parce que c'est le gars de la soirée. Et donc voilà, ça va être cool. Il y aura aussi Khalil que vous avez beaucoup vu dans ce vlog. Enfin, beaucoup vu. Surtout en première semaine, parce que bah, comme il combat ce soir, bah, la dernière semaine, il s'est reposé, évidemment. Mais donc, vous l'avez vu dans ce vlog, et même l'année dernière, bah, il combat ce soir. Donc moi, je vais essayer d'y aller un petit peu plus tôt pour le voir combattre sur place. Donc voilà, on est dans le Bronx. On va faire les mises de gants des gars. Moi, côte fêlée, je ne sais pas si je l'ai dit, très certainement une côte fêlée, vu les symptômes que j'ai. Donc je ne peux rien faire sur cette fin de stage, mais je vais filmer les sparring, je vais encourager les gars. Et voilà, c'est sparring ouvert, c'est-à-dire que tout le monde vient à la salle, de n'importe où dans New York, et puis c'est le marché quoi. Tu vas, bah moi, tu fais quel poids? Ok, allez, on va tourner ensemble, on va faire 3 rounds. Toi, tu fais mon poids? Ok, on va faire 4 rounds. Et en fait, ça marche un petit peu comme ça. Et donc, les gars vont tourner. C'est quand même une expérience de vivre ça. Ils ont un petit peu le stress, c'est normal. Hein, c'est, voilà, on ne sait pas contre qui tu vas tomber, mais c'est le dernier jour. Let's go, fighting! Yeah.
Ok, Karim, 37 ans, bientôt 38. Et mon niveau en boxe, j'ai toujours un peu boxé dans ma vie, depuis que j'ai 18 ans. Et puis autodidacte vraiment dans la boxe depuis mes 22 ans. J'ai une dizaine de combats amateurs. Voilà, tous gagnés par KO. Je plaisante. Mais voilà, j'ai 8 combats, 2 défaites. Et je suis venu ici vraiment. Je suis venu pour me challenger d'abord. Retrouver des gars, je savais qu'il y avait des gars plus jeunes que moi. Et voir un peu si je pouvais rester un peu dans la boxe ou peut-être reprendre des combats amateurs, pourquoi pas. Ça serait cool. Super. Super stage. Super stage, j'ai appris énormément de choses. Vraiment, ça a été un condensé de connaissances. Vraiment, je repars vraiment avec des bonnes leçons que je n'oublierai pas et qui m'ont aidé pendant ce stage, vraiment, que j'ai mis en pratique, j'ai réussi à mettre en pratique. On vient d'avoir une réunion avec Fred et puis trop, très content de nous et de moi aussi. Donc je suis très content de ce stage, vraiment. Je conseille vraiment à tout le monde d'y participer pour ceux qui ont les moyens de le faire et qui ont le temps de le faire. Vraiment, c'est un truc inoubliable. C'est vraiment un truc que vous n'oublierez jamais, c'est sûr et certain. Un truc qui m'a marqué, le crochet gauche de la montagne, qui me fait encore mal. Je viens de la montagne, vous savez qui c'est. Il vient de me le mettre, là, il y a une demi-heure. Il est là, salopard. Le footing de Bastien, parce que lui, il ne fait pas des footings. Il vole. C'est pas possible. Il vole, le mec. Il a fait 10 km en volant. Et vraiment, ce qui m'a marqué, ce que j'oublierai pas, c'est notre cohésion, vraiment notre équipe que j'ai kiffé. On a bien rigolé, vraiment, parce que ce stage, vraiment, ça aurait pas été, il n'aurait pas eu la même saveur si on n'avait pas eu cette cohésion d'équipe et si on n'avait pas kiffé. C'est ça une famille. C'est ça une famille, frérot. Oui, c'est ça une famille. La cohésion, l'amour. Voilà, on a vraiment kiffé. C'est qui nous pousse encore de l'avant. Voilà. On s'est poussé, voilà. chacun a poussé l'autre. Chacun a poussé l'autre. Et c'était très bien, on a kiffé. Dernière chose, merci à Jean-Charles, parce que sans lui, vraiment, on n'aurait pas tous ces souvenirs qui vont sortir, toutes ces photos, toutes ces vidéos qu'il va nous envoyer, en privé aussi. Et vraiment, c'est un souvenir, peut-être qu'à 70 ans, je les montrerai à mes petits-enfants. Lui, ça rend peut-être pas compte, mais c'est un truc immense qu'il fait pour nous. Et on lui donnerait. Quoi, je veux dire, c'est vraiment ça gratuitement, le mec. Il a un grand cœur. Comme dirait Pauly à Rocky, t'as un grand cœur, mec, t'as un grand cœur comme ça. Voilà. Allez, arrête là, tu vas me faire pleurer. Allez. Ok, on arrive à la fin du stage, c'était le dernier entraînement. On était au South Boxing, dans la salle de Eric Kelly, dans le Bronx. Du coup, je vais faire un petit topo, un petit compte rendu de ces 2 semaines de stage. Franchement, c'était super cool. C'est la première fois que Fred il avait un groupe aussi grand. Tout s'est grave bien passé et le groupe était cool. Les niveaux étaient assez équilibrés. Moi, un qui m'a surpris, c'est vraiment Ismaël, parce qu'il est chaud, vraiment. Et même tout le groupe, vraiment, je me répète, mais que bonne ambiance tout ça. Et voilà, c'est grave cool. Et ce soir, on va voir le combat et après, on va faire la fête et voilà. Et voilà pour cette dernière soirée à New York. On prend l'avion demain. On est, comme l'année dernière, au Madison Square Garden. Voilà, c'est une salle mythique. Alors bien sûr, c'est pas la grande salle. Je dis bien sûr parce que c'est pas une affiche qui mérite la grande salle. La grande salle, c'était il y a 2 semaines, juste avant que je vienne, pour Josh Taylor contre Teofimo Lopez. Et là, c'est un combat de Edgar Berlanga, portoricain. Il y a une forte communauté portoricaine ici, à New York. Donc on va profiter de ce combat, de cette belle soirée pour finir. Et puis voilà, c'est toujours un kiff d'être ici. Moi, je me régale. Et on va passer une bonne soirée boxe.
Et puis demain, je tournerai une petite dernière conclusion à ce vlog. Et pour le moment, bah, je vais juste profiter de cette soirée. À demain. Non, tu prends une photo. Il est temps de se dire au revoir, on arrive à la fin de ce vlog. Hier, quelle chance de finir sur cette note où on va à un gala de boxe et au Madison Square Garden. Moi, à chaque fois, ça me fait des frissons d'y être. Voilà, c'est une salle absolument mythique. Avec le groupe, c'était un bon moment. On a fini à la pizzeria, on a rigolé comme pas possible. Certains après sont allés continuer la nuit. Moi, j'étais beaucoup trop fatigué. J'ai très bien dormi cette nuit. Et puis, c'est parti. Je vais prendre mon vol direction l'autre bout du monde. Retour à Marseille. Et on va reprendre les actualités de la boxe comme on aime les faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que un stage de boxe à New York, c'est une expérience incroyable. Vous le voyez un petit peu à travers... vous pouvez le voir un petit peu à travers le vlog. Mais c'est vrai que, c'est ce que je disais à Fred encore une fois, mais le nombre de salles qu'on a fait, et j'ai découvert encore des salles, alors que l'année dernière déjà, j'avais l'impression d'avoir visité tellement de salles différentes, tellement de clubs, tellement d'ambiances différentes. Donc, c'est vraiment une chance, c'est vraiment extraordinaire et j'en profite, hein. À chaque fois j'en profite bien. Et je suis très très heureux voilà, de le faire. Et je pars avec cette expérience à chaque fois, je reviens avec en France. Et ça me remotive, à chaque fois ça me remotive pour tous mes projets et notamment cette chaîne YouTube. Et j'espère un jour que toi qui regardes cette vidéo, d'ailleurs c'était un format long, hein, si tu arrives jusqu'au bout, ben, c'est que tu t'es tapé sûrement une assez longue vidéo. Et j'espère que ça t'a plu, j'ai un peu changé de format, j'espère que t'as apprécié. Et bah, si tu regardes cette vidéo et que tu veux le faire, au moins une fois dans ta vie, je peux que t'y encourager. Pas seulement parce que c'est mon partenariat avec Boxing Culture, mais aussi parce que c'est un moment de vie que je te partage, que je te transmets. Et pour moi, quand on aime la boxe anglaise, il faut le faire une fois dans sa vie. C'est un truc de fou. Donc, que vous dire de plus? Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à devenir membre de la chaîne. Et tous mes partenariats sont en lien dans la description de cette vidéo. Je laisse le mot de la fin à Fred Julan. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé pour un stage de boxe à New York, vous nous retrouvez sur boxingculture.com, notre Instagram Boxing Culture, et vous pouvez me contacter aussi directement via mon adresse email. Voilà, à plus.